Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la côte bretonne du week-end, votre émission de Paris sportif qui regarde un petit peu à l'ouest et qui revient après une petite pause de 2 semaines. On est vraiment désolé, hein, on va dire tapis vert, forfait. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça, forfait, tapis vert. C'est quoi au rugby? Tu gagnes 28-0, je crois. C'est 3 buts. 3 buts au foot, ah ouais. et 28-0 ou 29-0 au rugby. Toutes nos excuses, on reste pas traîné, on commence cette émission en vous dévoilant le sommaire, bon, auquel vous devez commencer à prendre un petit peu l'habitude. On fera un petit tour sur la prochaine journée de Ligue 1, on s'intéressera aussi à l'actualité du Brest-Bretagne Handball, pour savoir un petit peu comment ça se passe. Je crois qu'il y a une grosse compétition européenne qui se rapproche assez vite, on en parlera. Et puis on fera un petit peu le tour des autres sports aussi, il y a de la F1, il y a une grosse actualité Covid et F1. On parlera aussi de rugby. Et puis ça nous fera, je pense, une bonne émission avec peut-être quelques pronos en fin d'émission avec Benoît et Damien. On y va, on débute cette émission avec la prochaine journée de Ligue 1. On va s'intéresser au club breton, vu que c'est un peu le principe de l'émission. On s'intéresse peut-être à l'équipe en forme du moment, n'est-ce pas? On s'intéresse à Brest, ça fait plaisir de dire ça. C'est ça. Ouais, ça fait plaisir, ça fait du bien. On a eu un moment de doute, hein, il n'y a pas si longtemps, tu te souviens, Pierre-Yves, on disait que ça allait... Ouais, j'étais pas bien. À un moment donné, je le sentais pas. Quand je voyais un peu trop souvent... Non, je ne vais citer personne. Non. Restons sur les bonnes ondes de ces 3 victoires consécutives. Brest se déplace à Bordeaux. Voilà. Ouais. Bordeaux qui est pas trop mal en ce moment aussi. Grâce à deux hommes. Grâce à Ben Arfa et à Jean-Luc Gasset. Voilà, c'est ça. Ben Arfa, parce que on le connaît, c'est un électron libre et capable du meilleur comme du pire. Bon, en ce moment, il fait plutôt du meilleur. Et puis Jean-Luc Gasset, qui est en train d'essayer de pianoter comme il peut avec l'effectif qu'il a et qui s'en sort, ma foi, on va dire honnêtement. Ouais, Jean-Louis Gasset qui avait eu des déclarations en début d'année qui n'allaient pas créer forcément de l'optimisme du côté des supporters bordelais en début d'année. Si je me rappelle bien, il y a eu quand même quelques déclats, histoire de remettre tout le monde les pieds sur terre, quoi. Non, mais c'est sûr. Donc, puis apparemment, là, j'ai vu qu'il n'allait pas avoir une grosse enveloppe, je crois, pour le mercato d'hiver. Donc, Ben Arfa a changé quand même un peu le jeu de Bordeaux. Donc, méfiance. Voilà, ils ont aussi du Colsieni en défense centrale. C'est quand même un pédigré, un CV plus qu'intéressant. Donc, je me méfierais. Bordeaux, favori à 2. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dams, mais compliqué. Ouais. Difficile de se prononcer sur ce match-là. Pour rebondir sur ce que tu dis sur Jean-Louis Gasset, moi, je me rappelle que quand Bordeaux était champion de France, qui était l'adjoint de Laurent Blanc, c'était Laurent Gasset. Ouais. Jean-Louis. C'était Gasset. Jean-Louis, pardon. Gasset. Laurent, c'est... Ouais, et puis il a fait super truc à Saint-Etienne aussi. Faut pas oublier. Honnêtement, je me prononcerai pas trop sur ce match-là parce que c'est vraiment indécis. Moi, je vais aller sur rien, en tout cas, sur ce match-là. Brest marche sur l'eau, donc ils peuvent très bien gagner. Les 3 possibilités sont pas exclues, alors que généralement, quand tu analyses un match, tu essayes d'exclure déjà au moins une probabilité sur les 3. Donc là, c'est pas possible. Les 3 sont vraiment possibles pour moi. Pour ça, vaut mieux passer quand t'as rien qui ressort. Je pousserais, je prends ma petite casquette du petit neuneu qui débute les paris, mais je regarde la cote de Brest à 3,50, elle serait peut-être presque value, non? Ouais, mais là, tu prends ta casquette de petit neuneu brestois. aussi. Donc, en gros, on a gagné. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais à Metz, moi, j'ai regardé la conférence de presse. Après avoir écouté la conférence de presse, j'ai regardé le match. Les grandes parties, on s'en sort très bien. Franchement, on s'en sort très très bien. Donc, pas forcément plus mérité qu'on aille l'emporter à Metz. Donc, il faut les statistiques, c'est bien, le score, c'est bien, mais regarder les images, c'est pas mal aussi. L'Arseneur était dans un grand soir,
ce qui lui est pas forcément arrivé ouais. encore souvent cette année. Ça a fait du bien de le revoir comme ça. Bah, il te sort, il fait 3, 2, 3 claquettes, quelque chose de malade. Honnêtement, voilà, on va pas s'enflammer d'un côté comme dans l'autre. Et là, voilà, si t'es Brestois, tu dis ouais, 3,45. Mais non, ça vaut. Franchement, là, honnêtement, faut passer son chemin. Mais c'est toujours dur de se déplacer deux fois de suite aussi. En plus. Très bien, on regarde un petit peu aussi du côté de Rennes qui va recevoir Lens. C'est samedi soir. Oula, j'entends quelqu'un faire. C'est moi. Pourquoi tu fais le cheval derrière ton micro? Oh, parce que qu'est-ce qui me déçoit? Tu restes sur la déconvenue krasnodarienne. Ouais, entre autres, et même ce qu'ils ont produit en championnat ces derniers temps. C'est combien ils ont pris de points ces derniers matchs, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'ils ont dû perdre 3 ou 4 fois et ils ont pris... c'est catastrophique leur bilan. Mais heureusement que la Ligue 1 est faible et que tout le monde bat tout le monde, comme ça ils perdent pas trop de place. Mais là, franchement, c'est compliqué. Il y a eu un match de Ligue des Champions hier, donc comme on enregistre le jeudi, hier soir, mercredi. Voilà, une défaite. Voilà, les matchs d'après Ligue des Champions sont toujours compliqués. Lens, c'est une équipe qui pose beaucoup de problèmes à tout le monde. Pareil, je me prononcerai pas trop sur ce match-là. J'ai du mal à voir quelque chose. Peut-être un match nul à la rigueur, mais vraiment, c'est. Allez, la confiance, elle est à 20 ou 30%, pas plus là-dessus. Donc, c'est très très moyen pour moi. Moi, pareil, Rennes, ça me déçoit. J'avais bien aimé quand ils avaient acheté Guirassy, parce que pour l'avoir vu jouer à Amiens, il jouait, il me semble, l'année dernière. Quand il était venu à Brest, et j'avais trouvé très et bon. Et en tout début de saison aussi, hein, il a marqué un pion avec Amiens en début d'année. Et je me suis dit, ce joueur-là, bon, pour nous, ça aurait été bien de l'acheter. Il est parti à Rennes, mais il est blessé. Voilà. Donc déjà, il a pas joué en Ligue des Champions. Et ouais, très déçu du jeu de Rennes en ce moment. Ça va leur faire du bien, ils vont plus avoir de Coupe d'Europe. Ça, c'est le point positif. Ça va pas nous aider au point UEFA, ça, c'est le point négatif. On en avait parlé pendant la dernière émission. Il y a carrément des championnats de fous qui nous passent devant à l'indice UEFA. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est carrément délirant. Entre Rennes et Marseille, on est bien servi. Marseille a gagné, pardon, je suis mauvaise langue. Mais ils ont quand même le record. 14 défaites, je crois, d'affilée. Tu vois, Rennes, ce qui est. Jamais les derniers. Quand tu regardes les cotes de Rennes-Lens et les cotes de. On va jouer où, merde, on vient d'en parler. De Bordeaux-Brest, c'est les mêmes. C'est du 2, du 3,50 et du 3,50, un truc comme ça. Alors pour moi c'est comme deux physionomies un peu différentes, mais c'est pareil ce match-là. Faire confiance à Rennes, comme il a soufflé tout à l'heure Damien, moi je leur fais pas confiance du tout. Donc c'est un peu compliqué. Pourtant j'aime bien ce type-là de cote avec une cote à domicile autour de 2. J'aime bien prendre un drone au bet, mais tu vois là pareil, je fais pas confiance à Rennes. Je prendrais même pas un drone au bet sur Rennes parce que je me dis qu'une victoire de Lens est tout à fait possible, même si Lens rentre un peu dans le rang là, je pense qu'il marque un peu le pas aussi, ce qui est un peu normal. C'est l'euphorie du promu en fait. Ouais, voilà, c'est ça, mais bon, non, pareil, là je lancerai pas de pronos non plus. J'ai rien qui me autant sur Lorient pour en parler, mais autant là sur Rennes Lens non, j'ai rien qui ressort. On va y arriver. On va y arriver sur Lorient. Là, juste pour revenir un peu à cette histoire d'indice UEFA, là, on en parlait la semaine, à la dernière émission, et puis on le réévoque rapidement. Mais là, cette année, sur la saison 2020-2021, donc la France, là, elle est derrière la Belgique, l'Autriche, l'Israël, l'Écosse. Pas mal. Ouais. Ça fait très très bien. À espérer que Lille... arriver à faire quelque chose en Ligue Europa et pourquoi pas le PSG. Mais bon, je dis pourquoi pas. Hein. C'est bien parti. Oui, non, mais je pense qu'ils vont se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais après, on verra. Vivement que tout le monde revienne, en fait.
La chance du PSG, s'ils arrivent premiers, ils se tapent un deuxième. Et en deuxième, ils vont se taper quoi? De la Juve ou du Real de Madrid, peut-être ou... Avec le bol qu'ils ont. C'est toujours comme ça. Mais en tout cas, ils auront intérêt à changer leur fond de jeu. Bon, ça, on pourrait y revenir plus tard. Mais ouais, Rennes, n'ange rien. Par contre, je te dis, si on passe sur Angers-Lorient, on peut peut-être en discuter. Alors ouais, on parlait d'euphorie du promu du côté de Lens, du côté de Lorient. Ce n'est pas ça. Hein. La magie Pélissier a du mal à opérer du côté du moustoir. Pourtant, pour le coup, Lorient va à Angers. Là, on a. Alors, là, c'est pour le coup, c'est pas le genre de match sur lequel on irait faire un drono bête là. Ah non, rien du tout non plus. Ah. Tu continuerais à Ah, faire un que dit drone. Ben? Que dit Ben? Attends, que tu irais faire un drone ovale, j'ai pas mouru sur Angers? Ouais, mais ça ferait La une cote cote est tout trop pourrie. basse. Bah vu la cote aux 1,90, tu dois avoir un drone ovale autour de 1,30. Bon, après, c'est sûr, faut le combiner. 1,30 fois 1,30 égale 1,69. Donc, il faudrait trouver autre chose à combiner avec. Mais moi, Angers, je trouve. Je reste sur l'image d'Angers l'année dernière qui était très solide. Bon, c'est un peu moins le cas cette année, mais j'ai l'impression qu'ils reviennent bien. Je me fie juste à l'état de forme du moment. Ou si je prends les 5 derniers matchs, ils sont sixième. D'accord? Trois victoires, 2 défaites. Et sachant que les défaites, c'est à la maison contre Lyon. Bon, ce qui est pas déconnant. Et un peu plus surprenant contre Nice où ils prennent 3-0. Mais bon, après, ça arrive que tu passes au travers d'un match. Voilà, alors que la forme du moment de Lorient, ils sont 20e. Lorient, c'est 0 victoire, 1 nul, 4 défaites, 0 but marqué, 8 buts encaissés sur les 5 derniers matchs. Moi, honnêtement, le Angers de Renaud-Bonne me fait de l'œil. Après, vous allez me dire que Lorient va forcément se réveiller un jour, mais j'y crois pas du tout sur Grbic, qu'on est très, 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 très content d'avoir laissé 10 millions à Lorient. Voilà, ils pouvaient faire toutes les vidéos qu'ils voulaient et tout avec leur petit avion. Bah, là, tu les reprends dans les dents direct. Alors que nous, avec un petit Mounier qui a coûté 2 fois moins cher, bah, il a les meilleurs stats de la tête. Je le redis hein, à chaque fois, mais de la Ligue 1. Donc, quand t'as ton attaquant qui a les meilleurs stats de la tête et des duels de la tête, ça aide à faire des déviations et tout ça. Et petit coucou à Giroud, un autre joueur très bon de la tête qui vient marquer un quadruplé, donc il se déplace pas en karting comme certains le disaient. Je crois que c'est Benzema qui avait dit on compare pas une F1 et un karting, je crois pas. Ouais. En ce moment, il est plutôt en F1. Et je fais un. Comme ça, on pourra rebondir tout à l'heure sur la Formule 1. Donc, pour revenir, moi, Angers drone aux bêtes, code sur Non, mais tu le laisses tout seul, Ben, il fait les émissions. Hein. T'as vu, il se transitionne tout seul et Non, tout. mais Je sais très bien. Salut Ben, on va te laisser. Ouais, merci. Alors, non, ça, c'est mon avis. Angers, j'aime bien l'entraîneur qui fait vraiment du bon boulot avec l'effectif qu'il a. Et comme je vous dis, autant début de saison, Angers me décevait, autant là, je pense qu'ils ont trouvé la vitesse de carburation. Et c'est pas pour rien que sur les 5 derniers matchs, ils seraient sixième du championnat. Ce qui voudrait dire qu'ils seraient relégables peut-être dans la première partie du championnat. Mais en tout cas, voilà, je fais beaucoup plus confiance à Angers que je ne ferais à Lorient en ce moment. Ok. Est-ce qu'il y a un autre match qui vous intéresse sur cette journée? On n'a pas parlé de Nantes. Nantes qui reçoit Ouais. Strasbourg. On a aussi un déséquilibré Montpellier-Paris. Ouais, c'est pas Lille-Monaco qui déséquilibré peut pour faire moi. une. Ah, Non, mais vas-y, tout dépend de vas-y. la composition. Parce que Oui. Paris, ils veulent être en forme contre Bazalgeciers. S'il met une équipe B', faut voir. Après, il faut attendre la Ouais. compo. On les a pas, je sais pas ce que t'en penses. Et puis faut pas oublier, hein, Montpellier, c'est sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires et 1 défaite aussi, hein, donc faut faire Ah, attention. alors Montpellier qui est quand même à 6-30. C'est pour ça que je disais équilibré. Ouais, faudrait voir les Déséquilibré, pardon. handicaps. Faudrait voir les handicaps. Montpellier avec Ouais. une avance de 1,5 but ou 2 buts, ça doit être sympa. Mais si tu me mets Neymar et Mbappé en face, j'y vais pas sur le handicap. Tu me mets Mbappé et Neymar sur le banc, oui, bah là on discute et on y va. Mais là, honnêtement, on n'a pas les compos. Je peux pas m'avancer sur un pari. Mais si vous voyez que c'est l'équipe B de Paris, forcément Montpellier en handicap, ça vaut le coup. Ouais, Ça va se moi rééquilibrer tout de suite au niveau des cotes. ouais, ça se rééquilibrera vite, mais et moi, mon fameux les deux équipes marquent à 1,65 me tente fortement sur ce match parce que quand on voit tous les matchs de Paris ces derniers temps, les deuxièmes mi-temps qui se jouent pas ou.
le truc comme ça. Je me dis que voilà, Montpellier va tout faire pour gagner. Il suffit que PSG gagne 1-0 à la mi-temps. Pour eux, ils vont essayer de gérer. Ils sont pas à l'abri d'un contre ou de quelque chose. Une cote à 1,65, honnêtement, moi, je pense que je me dirigerai là-dessus. Je voulais en parler en fin d'émission pour dire que c'était mon pari. Mais Ah ben voilà, ça y est. comme Spoiler. on en parle maintenant. Non, mais non, mais tant qu'on est sur la Ligue 1, autant y rester. Et non, ouais, moi j'irai sur les deux équipes marques à 1,65. Quand on voit les deuxièmes mi-temps que fait Paris en championnat, ou quand on voit aussi la façon dont ils ont joué hier contre Manchester United, franchement, la défense pour moi, c'est pas l'agence touriste, quoi. Donc, et puis Montpellier est assez efficace aussi. Donc voilà, une petite cote à 1,65. Les deux équipes marquent, je trouve que c'est intéressant. Peut-être qu'après les handicaps seront mieux, mais on verra ça en temps voulu. Alors pour les Anglais qui Ok, bon, juste le. pour les Anglais qui nous écoutent, c'est Oui. Boston to score. Hein. Okay. Voilà, Ouais, BB, BTTS. on est diffusé en Angleterre. Oui, Ouais. bah si tu veux, avec un coup de bol, les ondes, elles partent du fou, elles partent de Brest, et puis elles rebondissent sur la Manche, et puis elles vont Oui, c'est ça. Ça jusqu'en arrive. Cornouailles, En anglaise. Cornouailles anglaise, c'est ça. Ouais. Ça, c'est ça. Ok, ben, j'ai rien d'autre, moi. Ce qui est hallucinant, c'est que Marseille, avec les matchs en retard, ils pourraient être premiers du championnat. Alors qu'ils en foutent pas un devant l'autre, en Ligue des Champions. Enfin, ce qui prouve le niveau, hein, de la Ligue 1. Au niveau européen, je veux dire. Voilà. Ouais. Je ferme la parenthèse. Ouais. Ferme-la la parenthèse, oui, s'il te plaît, parce que comme ça, on va pouvoir passer à autre chose. Hein? On avance dans cette émission ou pas? Vas-y. On avance, allez, avance. Ouais. Ouais, parce qu'on Eh a ben déjà 15 tiens. minutes là. Ouais, carrément, c'est ça. Oh, faut faire moins de 30, mais on n'y arrive jamais. Non. Allez, on part tout de suite sur le hand et on essaye de voir un petit peu ce qui se passe du côté de Brest. Quelles sont les actus du Brest-Bretagne handball? Il y en a Bah, pas. c'est une grosse actu. Bah, bien sûr que si. Ah! T'es fou, toi, ou pas? Il n'y en a pas. Bah, arrête. Bah, il y a pas de Mais match. si, bien sûr. Il n'y a pas de match, mais il y a eu une annonce qui a été faite quand même. Ah oui, pardon, pardon, pardon. Eh oui, c'est vrai, parce que Ah, ça ça. fait 2 semaines. Ah oui, ça fait 2 semaines. Ouais. Vas-y, je te laisse le dire. Si c'est pas une grosse annonce, Oui, ça a oui, été annoncé que Laurent Beuzot ne serait pas reconduit la saison prochaine. Wow, c'est quand même un ouais. coup de tonnerre parce que voilà, bah, il est là depuis 7 ans. Il était à l'Arvor 29, l'ancien club de Brest qui a coulé pour raison financière. Alors, j'avoue que j'étais un peu surpris. Et puis en fait, pas tellement aussi. Est-ce que la Ouais, parenthèse il y de. avait quand même de l'eau dans le gaz depuis l'année dernière. Il y avait eu quand même Depuis une 2 ans, tu veux situation. dire? Depuis 2 ans, ouais, on se souvient de la grande prise de tête avec Alison Pinault, qui avait un petit peu déstabilisé l'effectif brestois aussi. Oui, c'est Alison Pinault qui a porté le chapeau, mais ouais, elle n'était pas toute seule. Mais ouais, non, mais il y a ça, et puis je pense aussi que voilà, il va y avoir des petites restrictions budgétaires quand tu vois le nombre de personnes qui l'entourent. Je crois qu'il a 5, 6, voire 7 personnes autour de lui. Donc ça fait une masse salariale assez grande. Peut-être qu'on lui a dit, écoute, on aimerait bien te garder, mais il faudrait peut-être que tu sois moins entouré. Et à mon avis, il a dit non. Pour ça, si donc ça s'est discuté. Voilà, et je pense qu'il restera, à Brest, mais sûrement sur une autre fonction. Et pourquoi pas en équipe de France, parce qu'on parle de lui depuis longtemps. En tout cas, il y a des bruits de couloir. Après, on verra peut-être après l'Euro ou après les Jeux. Donc voilà, c'est que ça reste quand même une grosse surprise. Voilà, j'espère pour lui que bah, sa saison se terminera sur une bonne note avec un titre de champion de France et pourquoi pas Et une Champions League ou un Final d'Europe. Four, quoi. Hein. Ouais. C'est très bien. Donc, ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Ben, mais Ouais, voilà. après, c'est toujours bizarre de faire une annonce comme ça parce que, bon, on était même pas en milieu de saison. Mais voilà, j'espère que ça va solidifier quand même le groupe pour gagner quelque chose ensemble. Parce que là, pour l'instant, il n'y a que des Coupes de France, il n'y a pas de titre de champion, il n'y a pas de Coupe d'Europe, donc ce serait bien. Mais c'était l'info, sachant que voilà, là, il y a une coupure parce que c'est le championnat d'Europe.
Ouais, justement, on en parle un petit peu du championnat d'Europe. On a des Brestoises qui seront du côté de l'équipe de France. Oui. Ouais, pas qu'en équipe de France, il y a quasiment Ah, oui, 15 ou partout. 15 joueuses qui sont parties. Il y a en Slovénie, en Suède, en Serbie, quoi d'autre encore? Bah, je sais plus. Oui, Danemark, pardon. Danemark aussi. Donc, ouais, non, on a la plupart de l'effectif qui est parti. je peux vous faire un tour vite fait parce que je vois que ça avance, le chrono il reste 10 minutes. Je vois absolument pas la Russie alors que c'était dans les favoris parce que y a plusieurs de leurs pépites qui sont pas là. Ouais. Vikernieva, elle est pas là, la joueuse de Győr. Tu as aussi, comment elle s'appelle celle-là qui est dans le groupe de Moscou. Je crois que c'est là-bas qu'elle joue. Mikhaïlichenko, elle est pas là. Anna Sen aussi, très très bonne joueuse. Et donc la Russie était deuxième favorite, mais moi je les vois absolument pas. Vu les joueuses qui manquent, je les vois absolument pas gagner. Donc moi, je serais parti sur un pari long terme et je mets vraiment mes grandes favorites. Et ce sont les grandes favorites de la Norvège. Ça devait se jouer en Norvège au Danemark. Bon, la Norvège a décliné, ça joue qu'au Danemark. Bref, et je mettrais en deuxième favorite à égalité, je mettrais Pays-Bas-France et après Danemark. Donc en gros, voilà, il y aurait un pari à limite sympa à faire. C'est Norvège gagne et remboursé si France, Danemark ou Pays-Bas. Alors après Damien, je sais pas ce qu'il en pense, mais moi c'est l'analyse que j'ai Si. faite. C'est l'analyse que j'ai faite de la compétition et ça vous fait quand même une cote sympa parce que je crois que la Norvège était encore à 2,50 pour gagner la Ouais. compétition. Voilà, parce que vous pouvez pas gagner d'argent si vous prenez tous des favoris, donc faut en enlever un. Et là, quand je vois la Russie, comment elle a amputé, je me dis faut les sortir. Voilà, moi personnellement, je ne vois pas aller au bout. Après, ça reste du sport, mais voilà, Ouais. c'est ce que j'ai pris Mais moi. on va Ouais, suivre ça. On va la suivre ça Norvège. jusqu'aux vacances de Noël. On enchaîne avec le rugby. On a le droit à une compétition des plus. Je trouve le titre de cette compétition tout ce qu'il y a de plus chaleureux, la Coupe d'automne des nations. Si. C'est mignon. Ça... Et puis voilà. Voilà, c'est tout. Un mot. Je rajouterai bail Covid-19, sponsorisé par Ouais. Covid-19. Parce que bon, t'invites les Fidji, bah ils ont pas vu le terrain, les mecs. C'est ça. Mais ils sont quand même classés. Ils sont quand même classés. Bah ils ont Ils pris se prennent des tapis verts, quoi. que des bonus offensifs contre eux. Ça c'est clair. Bah c'est malheureux, mais bon c'est comme ça. La Géorgie, on peut en parler. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le rugby, la Géorgie, ça n'a plus rien à voir avec la génération des Gorgodés et tout ça. Pour tout vous dire, les deux premiers matchs qu'ils ont fait au tournoi d'automne, je crois qu'ils ont même pas passé une minute dans les 22 mètres adverses. Bon, après, tu vas me dire qu'ils rencontraient l'Angleterre et l'Irlande. Bon, à un moment donné, faut pas déconner quand même. Bon, ça a beau être une des meilleures écoles du monde pour la mêlée, même la mêlée, je trouve que maintenant, c'est plus terrible. Bref, donc finale Angleterre-France, et pareil, ça c'est Ouais. un peu l'équipe C de la France contre l'équipe A anglaise. D'ailleurs, les Anglais ne comprennent pas l'état d'esprit français de ne pas aligner la meilleure équipe. Mais bon, on va pas y revenir, mais c'est un accord entre la fédération et la ligue de rugby de ne pas faire jouer les joueurs plus de 3 matchs. Donc la meilleure équipe de France a déjà joué ses 3 matchs. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des seconds couteaux, ce qui n'empêche qu'ils savent jouer au rugby. Mais il n'y a pas les automatismes, il n'y a pas tout ça. Donc contre une équipe anglaise qui est, bah, allez, aujourd'hui dans le top 2, top 3 mondial, et à Twickenham, même s'il n'y a pas trop de public, bon, la cote, elle a un 10, c'est mérité. Enfin, je veux dire, ouais. L'avenir, on l'a, parce que le groupe qu'on a à la base, la nouvelle équipe de France, elle est déjà jeune. Il y a Dupont, Ntamack. Oui. Après, ça peut te permettre d'avoir des joueurs de complément qui viendront dans l'équipe parce que tu as toujours 30-35 joueurs qui sont appelés. Bon, voilà. Après, je pense qu'on peut pas en attendre trop, nous. Moi, personnellement, j'avais déjà Mais pris tu l'Angleterre. ferais quoi là? Tu irais sur un handicap là sur ce match là Angleterre-France? Ah non, mais surtout, Bonus moi, offensif pour j'avais l'Angleterre. mis plusieurs gros billets sur l'Angleterre gagne le tournoi. Alors à l'époque, je sais pas, la cote était peut-être autour de 2. Maintenant, il suffit que je couvre parce que le drone au bête de la France, ça doit être à 5 ou 6.
voilà, tu prends un gros billet quoi qu'il arrive. C'était juste de la lecture parce que je savais très bien que moi je voyais l'Écosse. Je peux pas vous raconter toute l'histoire, mais je voyais l'Écosse gagner le groupe B parce que ça allait être une équipe B qui allait jouer contre l'Écosse. Et vu qu'il y a eu le match annulé des Fidji, c'est la grosse équipe qu'on a envoyée en Écosse parce que les joueurs pouvaient encore jouer un match. Et il y a eu un retournement de marché de fou parce que l'Écosse, pour gagner le groupe au départ, ils étaient autour de 3. Ils sont passés favoris. Et après, quand il y a eu le match annulé des Fidji, tout ça s'est réinversé en fait. Donc, bon, après, il faut suivre hein, les fluctuations des cotes et pourquoi ça fluctue. Donc là, je vous donne l'explication. C'était assez intéressant, mais il fallait couvrir, quoi. Voilà, fallait couvrir. Si on avait pris les cotes, il fallait couvrir tout de suite sur la France après. Mais non, mais là, je vais regarder. À savoir aussi qu'il y a les autres, il y a d'autres matchs aussi, hein. Tu as un Irlande-Écosse, un Pays de Galles, que je dise pas de conneries, c'est Pays de Galles-Italie, je crois, un truc comme ça. Italie. Oui, parce que c'est le Oui, c'est ça. 1-1, c'est le premier contre le premier, le deuxième contre le deuxième, le troisième contre le troisième. C'est ça. Mais bon, le 1-10 pour l'Angleterre, là, il n'y a rien à faire, je veux dire. Voilà. Un bonus offensif pour l'Angleterre, si. Ça prend. Pas forcément, parce qu'ils n'en auront même pas besoin, parce que c'est juste sur un match, là. Tu vois, bonus offensif, c'est bien quand tu as un classement, ouais. Pour chercher un point de plus. Mais, ouais. Mais là, bon, la France, on ne voudra pas se faire marcher dessus, mais les Anglais, ils voudront bien nous branler. Attention à noter, pareil pour le Six Nations, la Six Nations aura notre grosse équipe, on en reparlera plus tard, même si le calendrier ne nous est pas favorable, parce qu'on ira en Angleterre, en Irlande, mais bon, on en reparlera au moment venu, ce sera en février, mais tout à fait. Il y aura des choses. Oui, il y aura plein d'émissions d'ici là. Un petit mot de F1 avant de conclure cette émission, mon cher Benoît. Voilà, ah, bah, écoutez, l'année 2020 continue dans sa beauté entre les morts, Bon, là, on a du bol, parce que... Enfin, il a du bol, parce que ça aurait pu se finir de façon catastrophique aussi. Pour Romain Grosjean. Romain Grosjean, ouais. On a vu les images. Si vous ne les avez pas vues, c'est que vous ne suivez pas le sport. Et voilà. Tout le monde les a vus, il est sain et sauf. Mais c'était assez impressionnant. J'imagine même pas si sa famille regardait au moment, en fait. Nous, maintenant, tu le sais qu'il est sorti. Mais pendant, à l'instant, je pense que c'était 30 secondes les plus longues de leur vie. À savoir, si tu reviens un peu sur le sportif, que Hamilton a le Covid. Bon, il s'en fout, il est champion du monde, c'est terminé. Ouais. Mais il ne jouera pas, donc ça ouvre des perspectives pour le Grand Prix de ce week-end, justement à d'autres pilotes. Il y a une lutte pour la deuxième place entre Bottas et Verstappen, un peu plus de 10 points d'écart. Et après, il y a aussi une lutte entre les écuries pour avoir la troisième place derrière, d'ailleurs, les flèches d'argent et puis derrière les Red Bull. Voilà. Donc, à voir tout ça. Très bien. Qu'est-ce que ça peut donner, mais ouais, une petite pensée pour Grosjean qui s'en sort vraiment miraculeusement. Ouais. Il nous reste quelques instants pour finir cette émission. Peut-être le prono sans commentaire, sans rien du tout. Moi, je l'ai donné. Mais tu l'as donné. Tu l'as donné. Il fallait reprendre le début de l'émission. Si, moi j'ai, parce qu'on en parle, on n'a pas parlé, mais il y a eu la première victoire historique de l'Argentine en Nouvelle-Zélande au rugby. Oui. Cette fois-ci, l'Argentine est pas mal amputée. En plus, il y a eu des histoires de tweets racistes, tout ça et tout. Donc, certains joueurs étaient suspendus, ne le sont plus, mais ils joueront pas. Style Matera, tout ça, qui joue en France. Sanchez, à mon avis, va être cuit. Moi, j'aimais bien. Bon, la cote a baissé, mais l'Australie a mis dans un combiné à 1,20. Moi, je trouvais ça très sympa. Aujourd'hui, même le mi-temps fin de match de l'Australie, il est peut-être à 1,25, un truc comme ça. Moi, je l'ai mis dans un petit combiné. Ça peut être sympa à prendre. Il y avait du moins 9 Australie. Je trouvais que c'était sympa. Bon, le cut, il a aussi un petit peu monté, explosé. Et qu'est-ce que je pouvais donner d'autre? Rien du tout. L'émission est terminée. Mais du Montpellier, je vois pas Montpellier exploser. Donc Montpellier plus 20, un truc comme ça. Voilà, vous essayez de faire un combiné avec des choses comme ça. Il y a moins Brive à Bayonne, non Brive à Agen. Voilà, je les vois rester dans le handicap autour de 10. Donc voilà, vous faites un petit mélange. Vous pouvez avoir des cotes, une cote combinée à 70 à 80. Très sympa, assez safe. Voilà. Donc la suite au prochain numéro. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, messieurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission. La Côte-Bretonne du week-end, c'est terminé. À très bientôt. Bye bye. Salut.